Avec la signature de cette convention bilatérale entre la commune de Roura et le CFA de la Chambre de métiers de Guyane, l'objectif est d'accompagner les jeunes de la commune et promouvoir l'établissement au-delà de l'apprentissage comme voie d'insertion professionnelle pour l'établissement. David Richer, le maire de Roura, a appelé l'urgence d'agir en faveur des jeunes. On écoute sa réaction et celle de Roberto Osseux, président de la Chambre de métiers de la Guyane. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse pas dire aux jeunes d'aller chercher la formation, mais qu'on puisse amener l'information aux jeunes. Donc cette convention avec le CFA pour recevoir les jeunes, les orienter, peut-être une formation à faire. Donc voilà, c'est un premier pas vers ces jeunes pour leur permettre d'avoir l'information. À la commune de Roura, il y aura un permanent qui va faire, qui va représenter le CFA dans cette commune, qui permettra justement aux jeunes de leur donner des orientations de métier. Ça permettra justement que ces jeunes puissent savoir que l'apprentissage existe. Il y a des métiers qui peuvent le faire aujourd'hui, qui peuvent travailler aussi. Alors voilà, c'est un grand enjeu. Je pense que ce ne sera pas le premier ni le dernier. Je vais inciter d'autres communes justement à faire ce genre de convention, de partenariat même, pour qu'on puisse justement en faire beaucoup, beaucoup plus justement pour mettre au courant à tous ces jeunes que l'apprentissage, c'est l'avenir.